Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle édition de Pépito Live. Aujourd'hui, on est le 9 janvier 2023 et un thème important aujourd'hui, donc 10 conseils pour voyager en sécurité au Costa Rica. Là, on sait que la saison touristique bat son plein. Les gens arrivent en abondance au pays pour leurs vacances tant désirées depuis une époque un peu difficile avec la pandémie mondiale, etc., etc. Bref, on ne se penche pas là-dessus, mais pendant cette émission, je vais vous partager des conseils basés un peu sur notre expérience, notre vécu, travaillant aussi dans le tourisme avec Costour, évidemment, des choses qui nous ont été racontées par des visiteurs au Costa Rica. Donc, mais ce que je vais faire, j'en ai préparé une dizaine, mais je vais garder celui que je pense est le plus important pour la fin. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin. Avant de sauter dans le sujet, je vais vous parler d'une activité spéciale qui va avoir lieu très bientôt. En fait, dans environ un mois d'aujourd'hui, on a lancé aujourd'hui une promotion. On va célébrer le 10 février prochain le 8e anniversaire de Costour, ici même à Playa del Coco. Et on va faire ça, évidemment, en grande pompe, donc en organisant un rassemblement sur le nouveau trimaran qui s'appelle l'Excelsior. Donc, il va quitter la plage de Coco pour une promenade d'un après-midi et puis pour revenir sur Coco avec, évidemment, un merveilleux coucher du soleil. Donc, ça va être une activité de festivité. Il va y avoir évidemment un bar ouvert, il va y avoir de l'apnée, il va y avoir de la musique live, un groupe latino qui va nous divertir, il va y avoir un goûter léger. Vous allez avoir l'occasion de, évidemment, de faire de la plage, de profiter de la glissade sur ce merveilleux nouveau bateau. Donc, tout ça, les amis, vous pourrez trouver des détails, évidemment, sur ma page Facebook et vous pouvez aussi nous écrire évidemment pour réserver à travers le courriel de Costour, info@costour.co. On espère vous voir avec nous pour cette célébration très spéciale le 10 février prochain, les amis. OK, écrivez ça à votre calendrier. Évidemment, on va offrir pour l'occasion un prix réduit pour l'activité. Donc, question de rassembler le plus de monde possible sur ce nouveau bateau et célébrer les 8 années de Costour. Donc, cela dit, ce sont les petites annonces pour aujourd'hui. Et puis, les amis, bon, je vais mettre des points évidemment à l'écran, mais vous avez peut-être aussi des questions, vous avez peut-être aussi des commentaires, vous avez peut-être aussi des expériences à nous partager. Donc, évidemment, envoyez vos commentaires et vos suggestions, vos questions, parce que moi, j'ai pas toute la vérité, évidemment, absolue. OK? Donc, on a Eric McEnany qui, justement, disait « Salut tout le monde, écoutez bien les conseils de Pépito. Nous, on part dans quelques semaines pour notre 4e voyage au Costa Rica et pour Avila. » Donc, Eric, on a bien hâte de vous voir au Costa Rica. On espère que vous allez à nouveau venir faire un petit tour dans le coin et puis qu'on aura l'occasion de célébrer. Donc, également, sûrement ici, quelqu'un qui nous regarde à partir de la page Québécois au Costa Rica. Donc, on va approcher bientôt 35 000 membres, les amis, 35 000 membres, okay, la page Québécois au Costa Rica. Donc, bonjour, okay, bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde qui nous regarde, évidemment. Ça nous fait plaisir de vous voir là, évidemment, en si grand nombre. Bon, on saute dans le sujet du jour. Gênez-vous pas, les amis, OK, encore une fois, avec vos commentaires. Première chose, OK? Les gens vont dire, Pépito, est-ce que le Costa Rica, c'est un pays sécuritaire? Bon, OK, c'est une excellente question. Nous, de notre expérience, notre réponse est automatiquement oui, le Costa Rica, d'emblée, c'est un pays très sécuritaire, probablement le pays le plus sécuritaire d'Amérique centrale. Bon, là, ça peut lancer un débat à travers les visiteurs ou les gens qui fréquentent différents pays en Amérique centrale, mais
Moi, je peux vous dire que nous, on est établi ici depuis un peu plus de 8 ans maintenant, juste avant la naissance de Costour, en fait. Et puis que, oh, je suis pas prêt à dire qu'on n'a pas eu des péripéties, mais j'en ai parlé un peu pendant l'émission. Des petites choses qui nous ont auxquelles on a été confrontés, nous autres aussi. Donc, j'en ai parlé tantôt. Mais d'emblée, le Costa Rica, c'est un pays sécuritaire, mais il faut quand même être vigilant, puis il faut quand même mettre certaines choses, évidemment, t'sais, en pratique. Donc, c'est de ça qu'on va parler tantôt. Et puis, là, je vais commencer parce qu'on parle, en fait, de perspective. J'ai tiré aujourd'hui un tableau que je vais vous présenter où on parle de la criminalité au Costa Rica. Pas facile de trouver des informations à date. Généralement, les statistiques sont publiées arrêtent en 2020. Mais on peut quand même voir une tendance. Puis généralement, à travers les pays, quand on parle de criminalité, ça se mesure par 1 000 personnes de population, nombre de cas par 1 000 personnes de population. On peut voir que à partir en 2016, donc on parlait de 57 000 cas par année, 57 000 cas en 2017, ça l'avait augmenté. Puis par la suite, il a commencé à avoir une descente. Donc en 2018, on parlait de 60 000 cas. Après ça, on parlait de 57 680. En 2020, okay, on avait atteint, juste avant t'sais, la pandémie, tout ça, 39 859 cas. Donc, il n'y a pas de chiffre plus récent que ça, mais au moins, je pense que ça dénote un genre de tendance quand même par rapport au climat de la criminalité au pays. Donc, règle générale, le Costa Rica, venez profiter du Costa Rica, planifiez vos vacances au Costa Rica, inquiétez-vous pas trop, mais inquiétez-vous quand même un petit peu. OK? Allons voir les commentaires des questions. Retournons au tableau, OK, parce qu'on ne voudrait pas oublier des commentaires importants. Sophie Aymon, Pandora, OK, hola Sophie, comment estás? Bonsoir Pepito, merci pour tes émissions intéressantes. Merci beaucoup de les regarder, Sophie, de même que tout le restant du monde. Et évidemment, un autre commentaire ici. Bon, dans 14 jours, nous y serons dans 14 jours. Denise Carrier qui nous dit un beau petit bonsoir. Bonsoir Denise, merci de regarder l'émission également. Et bonne année, Pépito. Merci pour tes précieux conseils de la part de Eric Sinotte. Et puis, on a Sophie qui nous fait un premier commentaire qui dit, ça fait 7 ans que nous y vivons, jamais eu de problème. Alors, merci, Sophie, de partager ton expérience et ta perspective sur ça. Donc, j'y vais avec un premier conseil. OK? Bon. Souvent, à travers les différents réseaux sociaux, on voit pas mal les mêmes commentaires, souvent qui reviennent. On va dire, surveillez de façon générale vos effets personnels. Bon, effectivement, c'est un très bon conseil. Puis la majorité de ces choses-là, en fait, c'est le gros bon sens. Mais souvent, le gros bon sens, quand on est en vacances, on est ébloui, on est dans un état d'esprit complètement différent, puis on a tendance, je pense, moi, à laisser tomber un peu nos gardes par rapport à certaines choses. Donc, on est en vacances, c'est le pays de la pura vida, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas faire ça. Donc, surveiller ses effets personnels, moi, je pense que c'est très important. Je me rappelle un incident. Une situation quand on est premièrement arrivé au Costa Rica, à ce moment-là, on avait notre petit restaurant sur le bord de la plage, à Playa del Coco, et puis bon, il y avait une activité très festive sur le bord de la plage. On a une cliente qui a laissé son sac accroché après sa chaise, puis est allée observer la petite festivité, OK, qui a duré seulement que quelques minutes. Mais évidemment, quand elle est revenue à sa place, ben, tu sais, son sac à main avait disparu. Donc, il faut surveiller nos choses. Je ne pense pas que le Costa Rica, c'est un pays où vous vous feriez agresser pour un vol, où les gens vont venir carrément vous arracher quelque chose dans vos mains. Okay? Ça ne fait pas partie de la culture du pays. Mais si vous laissez quelque chose là, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui, à un moment donné, peut-être va décider de passer, okay? Puis nettoyer, okay, l'environnement ou la table. Okay? Donc, il faut toujours être conscient de ces choses-là. Les sacs à main, caméras, les portefeuilles,
Ce genre de choses-là, c'est le genre de choses qui, évidemment, comme partout à travers le monde, c'est pas juste au Costa Rica, peuvent inciter, OK, les voleurs. Donc, les gens vont être aux aguets de ce qui peuvent être de valeur, donc un téléphone cellulaire, une tablette, ce genre de choses-là, ça peut inciter évidemment les gens. Donc, il faut toujours être vigilant par rapport à ça. OK? Donc, dans des restaurants, donc, laissez pas vos choses seules puis partir ou aller danser dans un bar, laissez vos choses sur votre chaise. Sur la plage, soyez très vigilants. La même chose, apportez sur la plage seulement les choses qui sont l'essentiel. Apportez pas tout votre argent de vacances, apportez pas vos passeports sur la plage, apportez pas des choses que vous voudriez pas vous faire voler. Bref, genre caméra, téléphone cellulaire, tablette, ce genre de choses-là. Donc, apportez l'essentiel ou assurez-vous, OK, d'avoir quelqu'un qui est aux aguets pour vous ou une personne, évidemment, qui est chargée, OK, de superviser les biens que vous avez. OK? Ça, c'est un premier petit conseil de gros bon sens. Le même conseil s'applique aussi, OK, avec, OK, j'ai fait un deuxième point, mais ça se touche, OK, par rapport à la location d'auto, OK, ou voyager avec des autos, OK, au Costa Rica. Les voleurs ont une façon de nous identifier. Caroline, puis moi, quand on est arrivés, on était bien fiers, on s'était acheté un véhicule, puis on était bien fiers de s'afficher comme Canadien. Et puis, on s'était amené du Canada un beau sticker du drapeau du Canada qu'on avait affiché à l'arrière du véhicule. Et puis, on a été ciblés très rapidement. Et puis, une journée, dans l'espace de seulement quelques minutes, malgré le fait qu'on était quand même très prudent, que Caroline avait pris l'habitude d'attacher les sacs avec les ordinateurs, les tablettes et le tout dans l'auto. Une journée, on était à l'épicerie, Caroline a voulu aller à l'auto chercher de la monnaie, débarrer la porte. Et puis, on a laissé nos gardes baissés, dans le fond, pour, je dirais, moins de 5 minutes. Mais quand on est arrivé à l'auto, tout était parti. OK? Là, on arrivait au Costa Rica, on venait s'établir ici comme expatrié. OK? Téléphone cellulaire, tablette, ordinateur, carte mémoire avec tous les souvenirs qu'on avait compressés, OK? Qu'on avait ramenés avec nous du Canada. Tout était parti comme ça. OK? Donc, faut être prudent. Donc, accrochez pas un drapeau du Canada en arrière de votre véhicule. Mais aussi, OK? Laissez pas des identifiants. Donc, dans le fond, le message, c'est laissez pas des identifiants ou des façons, OK, aux voleurs, des signes aux voleurs pour détecter, en fait, que vous êtes des touristes. Parce que eux, ils veulent pas des touristes, parce que touristes égale toutes les belles petites bébelles qu'on vient de mentionner tantôt. OK? Donc, encore là, vous dites, bon, hein, Pépito, tu ne nous apprends rien, c'est le gros bon sens, mais le gros bon sens, quand on est ébloui par la vie, puis la pura vida, puis le beau soleil, puis les beaux palmiers, ben, des fois, on les oublie. OK? Donc, il ne faut pas faire ça. OK, je retourne du côté des tableaux, des commentaires et des questions. OK, Sophie est en feu ce soir, OK? C'est carrément moins dangereux qu'en France, OK? Bon, ben c'est une perspective, OK, intéressante. Luc Dion, il faut essayer de vivre à la belle vitesse de ce pays, car ici au Canada, on court tout le temps. OK, là, on parle d'une perspective de rythme de vie. Luc, très bon commentaire. Tu as parfaitement raison. Encore une fois, Sophie, OK, Sophie, tu vas avoir la médaille pour le plus grand nombre de commentaires, OK, je pense aujourd'hui. OK, si un jour vous crevez, que quelqu'un vient vous aider très gentiment, laissez vous aider, mais surtout, fermez la voiture et prenez vos sacs avec vos papiers, c'est plutôt prudent. OK, effectivement, c'est un excellent conseil, Sophie. Donc, les gens, des fois, à l'occasion, peuvent avoir une panne, peuvent avoir une crevaison, ce genre de choses-là. Donc, encore là, soyez prudents du genre de personnes qui vont venir vous aider. Maintenant, les Costariciens, de façon générale, c'est des gens très aidants. Il ne faut pas non plus complètement refuser de l'aide, mais comme elle dit, prenez certains moyens pour s'assurer que
Ça rejoint un peu le même thème que tantôt. Okay? Que vous sachiez exactement où sont vos choses, tu sais, quel genre de, où sont vos choses en tout cas. Bon, c'est ça. OK? Bon, j'aimerais savoir quelle sorte d'agression tu sais, avez-vous? Ben, écoutez, monsieur ou madame, en fait, le genre d'agression, le Costa Rica, ce n'est pas un pays où typiquement vous allez retrouver des agressions physiques. OK? En fait, donc, si vous marchez, exemple, quelque part avec votre sac, tout ça, ce n'est pas un pays où il va y arriver des pistolets, des gens avec des pistolets, des gens avec des couteaux, ce genre de choses. Bon, je ne sais pas si ça a jamais arrivé, mais ça ne fait pas partie des témoignages qu'on entend. Donc, souvent, les vols, ça va être soit okay, un peu occasionné par notre laisser aller un peu. Donc, ça, c'est le genre de vol que vous allez voir. C'est que les gens vont vouloir soit okay, vous prendre vos choses quand vous êtes pas aux aguets. Le pickpocket, okay, c'est quelque chose quand même qui existe au Costa Rica. Faut soyez vigilants, vous soyez prudents avec ce genre de situation-là aussi. Surtout, évidemment, quand il y a des grandes foules et des grandes festivités. Il y a quelques années, dans la région de Playa del Coco, c'était un phénomène qui commençait. Je dirais que quand même, depuis un bout de temps, on n'entend pas beaucoup parler de ce genre de crime-là. OK? On a Eric qui dit « Attention à vos sacs à dos. OK? Ne le pas les laisser sans surveillance encore une fois. OK? Donc, soyons vigilants. OK. Surveillez vos effets personnels. OK. Un autre point. OK. Conseil. OK? Les guichets automatiques. OK? Donc, un conseil, c'est que les guichets automatiques, retirez pendant la journée. OK? Donc, pendant la journée, les guichets automatiques, une bonne façon de vous protéger. C'est mieux éclairé. Vous voyez les gens autour de vous. Donc, encore là, gros bon sens. OK? Un conseil que j'ai déjà entendu, en fait, un ami, en fait, un conseil qu'on m'a déjà partagé, donc, tu sais, c'est l'habillement. L'habillement dans les centres urbains, mais l'habillement de façon générale aussi, particulièrement dans la région de San José, c'est sûr que si vous vous habillez comme un touriste, vous êtes facilement identifiable. À San José, si vous habillez normalement, une chemise normale, un pantalon normal, des souliers normaux, vous allez passer à travers de la population normale. C'est plus difficile de vous identifier comme un touriste, même si vous êtes blanc, parce qu'il y a quand même une grande population de gens avec la peau claire à San José. Donc, c'est sûr que le plus que vous habillez en touriste, le plus que vous vous faites voir, okay, comme personne qui peut avoir des choses qui peuvent justement intéresser les voleurs. Okay? Je dis ça comme ça. Donc, soyez sobre dans votre habillement, okay? Plutôt que d'avoir l'air d'un touriste. Okay? Donc, si vous arrivez avec okay, vos shorts Bermuda carottés, avec vos drapeaux, puis si vous habillez comme Jack Cracker Jack, okay, vous risquez d'avoir un petit peu des problèmes. Okay? Alors, retournons voir du côté des commentaires. Donc, OK, Eric. OK, dans quel secteur est le plus actif pour les agressions? OK, ben justement, quand je faisais mon certificat en tourisme par rapport au transport public au Costa Rica, ils nous ont dressé à un moment donné un portrait par rapport aux différentes régions du Costa Rica. La région, le Costa Rica, où on dit généralement qu'il y a le plus de criminalité, c'est la province de Limón. OK? Bon, là, il y a des gens qui peuvent être d'accord, pas d'accord, pourquoi qu'il y a ci, pourquoi qu'il y a ça. Ben, en tout cas, c'est ce qu'on avait vu statistiquement, c'est ce qu'on nous a enseigné. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de criminalité ailleurs, mais dans le coin de Limón, c'est une région où il faut faire plus attention. En fait, la fois où on s'est fait piquer nos choses dans notre auto, Caroline et moi, on était à Puerto Viejo. Maintenant, parce que la région de Limón, c'est la province la plus pauvre du Costa Rica. Donc, avec la pauvreté vient différents problèmes sociaux. Donc, c'est une région où il faut justement redoubler davantage de vigilance. San José, évidemment, dans certains secteurs de San José, ça peut être des coins un peu plus obscurs. Donc, il faut être plus prudent dans ce genre de secteur-là. Évidemment, c'est le gros bon sens, pareil comme si vous étiez finalement à Montréal ou n'importe où, ou à Sherbrooke ou à Trois-Rivières. Donc, il y a
Il y a des endroits que c'est plus fréquentable, disons, le soir et qu'il faut aussi éviter. Donc, c'est la même chose au Costa Rica. Souvent, ce qu'on entend, c'est d'éviter les plages le soir, aller marcher sur la plage. Si vous n'êtes pas bien entouré, ce n'est pas recommandé. Allez pas marcher sur la plage seul, surtout pas, tu sais. Ici, on a hâte de te voir. OK, c'est ma cousine préférée, Joanne. C'est ma cousine, ben, c'est une de mes cousines préférées, mais Joanne, c'est aussi ma cousine la plus tannante. OK? Elle s'en vient bientôt au Costa Rica. Attachez vos tucs. OK? Où se situe Limón? Limón, ça se situe la côte Caraïbe du Costa Rica, du côté de l'Atlantique. Limón, ça comprend, OK, c'est la province de Limón. On a sept provinces au Costa Rica. On parle de la province de Limón. Limón, la ville de Limón, Cahuita, Puerto Viejo, tout ce secteur-là, Playa Chiquita, tout ça, c'est super beau, c'est super paradisiaque. Encore là, bien des bonnes raisons pour oublier puis de baisser nos gardes. OK, on continue avec un autre point de vue. On a parlé des guichets, l'habillement dans les centres urbains, on en a parlé. OK, quelque chose ici de quelque chose de simple et de pas simple en même temps, c'est que, puis moi-même, je me suis fait prendre, c'est que souvent, on va faire une transaction avec quelqu'un ou on va acheter quelque chose ou on va demander un service. Puis, on va prendre que pour acquis que le prix pourrait être X. OK? Exemple, vous embarquez dans un taxi. OK? Vous voulez vous rendre du point A au point D. OK? Avant d'embarquer dans le taxi, demandez de valider le prix. OK? Maintenant, dans les taxis, dans les grands centres, OK, ils vont avoir des compteurs. Dans beaucoup de taxis, dans les petits centres, il n'y a pas de compteur. Si vous prenez un taxi à San José et que le chauffeur, OK, met pas le compteur, vous pouvez lui demander d'exiger qu'il mette le compteur. Il est tenu de le faire par la loi, OK? La façon de référer au compteur au Costa Rica, on parle de la maria, OK? S'il part pas son compteur, vous pouvez dire « por favor, ponga la maria », OK? Ça veut dire « s'il vous plaît, commencez le compteur », OK? Une phrase-clé importante, mais ça peut vous sauver des sous, ça va éviter que quand vous allez arriver à destination, les frais peuvent être considérablement augmenté. OK? Faut valider les prix quand vous faites des transactions de différentes sortes. Que ce soit même un service professionnel où vous embauchez quelqu'un pour faire, je sais pas, mais des besognes autour de votre condominium ou n'importe quoi, c'est bien important de valider les prix. OK? Là, par rapport à la validation de prix, justement, j'ai un copain qui était ici en vacances cette semaine. Ils se sont présentés dans un restaurant et ils ont reçu leur facture. Ils ont revisé la facture et à l'intérieur de la facture, il y avait des items qu'ils n'avaient pas commandés. OK? Parce que là, on parle de sécurité, mais une sécurité, moi, pour moi, ça englobe le vol et tout ce genre de choses-là. Là, ils ont questionné les items qui avaient été rajoutés, se sont fait répondre par le personnel du restaurant qu'en fait, c'était une taxe, OK? Que c'était une taxe supplémentaire. Les amis, OK, de grâce, quand vous allez dans les restaurants au Costa Rica, c'est pas ben compliqué. Il y a deux frais, OK, qui vous sont imposés sur vos factures. Il y a un 10% de pourboire qui va directement au serveur, qui est obligatoire par la loi du Costa Rica, OK? 10%, OK, de propina, OK? En plus de ça, vous avez la taxe de service qui est 13-14%. Vous avez 23-24% qui est rajouté à votre facture totale. OK? N'importe quelle autre manœuvre, n'importe quelle autre magouille, OK, vous êtes en train de vous faire avoir. Il y a des restaurants qui vont vous dire, exemple, ah, ben, on vous apporte votre facture, mais nous, on n'a pas rajouté la propina dans la facture. C'est faux. OK?
les gens, les établissements, on a eu un commerce, on a eu un resto-bar sur la plage, on connaît ce genre d'entreprise-là, les entrepreneurs sont tenus par la loi d'avoir ça d'inclus dans le montant de la facture, Donc, un restaurateur qui va arriver vous dire: «Oh non, non, ici, les pourboires ne sont pas inclus, c'est en surplus de ce que vous voyez sur votre facture.» C'est pas vrai, C'est un menteur, Donc, soyez vigilants, vous n'êtes pas obligé de donner rien d'autre en surplus, que ce qu'il y a sur la facture. Évidemment, il y a 10% d'inclus dans la facture. Si vous allez dans un bon établissement, vous avez un service, costaricien travaille fort, de grâce, soyez généreux, récompensez les gens qui font bien leur travail, c'est de mise, parce qu'il y a 10%. Donc, moi, quand je vais dans un établissement, si j'ai un bon service, évidemment, je vais donner de l'extra. Mais, donc, laissez-vous pas avoir par la ramasse de: «Ah, dans ce restaurant ici, le pourboire n'est pas inclus, un autre 15% par-dessus ça», parce que là, vous venez de donner 20-25%. Donc, ça, c'est très important. Des items, qui ont été rajoutés sur votre facture que vous n'avez pas commandé, faites-le enlever. Laissez-vous pas avoir dans ce genre de choses-là. Je pense pas que c'est très fréquent à travers le Costa Rica, mais c'est arrivé à un bon ami à moi, pas plus tard qu'avant-hier. Donc, vous validez les prix, faites attention les prix. Faites attention aussi, exemple, une bonne façon de valider, c'est avec les taux de change. Donc, si jamais vous payez, exemple, en argent américain, ils vont vous donner toujours l'échange en colonnaise. Donc, ils vont vous vendre le colonnaise. Donc, c'est important que vous connaissiez c'est quoi le taux de change pour l'achat du colonnaise à ce moment-là, au moment de votre vacances, Parce que vous pouvez demander au commerçant: «Je vais payer avec des dollars, et quel est votre taux de change que vous allez m'imposer pour payer avec des colonnaises?» Et puis, vous allez voir, vous allez pouvoir avoir le comparatif. Puis, s'il est en train de vous passer une colle, à ce moment-là, la meilleure solution, c'est de dire: «Merci beaucoup de m'avoir bien informé, monsieur le restaurateur ou monsieur l'homme d'affaires. Je vais simplement payer avec ma carte de crédit.» Donc, un petit conseil pratique. Je ne sais pas si vous me suivez. On va enlever cette bannière-là. On va aller voir peut-être des commentaires, des questions. Sylvie Lachapelle, merci pour les conseils précieux. Pepito, gracias Sylvie. Jacinthe, merci pour les conseils, des factures. Terry Galland, salut, hola, merci encore pour ce beau partage d'informations importantes et pour la vie. Sylvie, pas Sylvie, Sophie. Sophie, un bon conseil de Sophie. Sophie, lorsqu'on fait des travaux, on ne fait jamais payer le montant total au départ, une moitié au départ et l'autre à la fin des travaux. Un conseil qui est très, très bon. Donc, au Costa Rica, souvent, ils vont nous demander, comme si vous faites, je ne sais pas, vous êtes ici, vous êtes vacancier, vous avez acheté un condo ou quelque chose, vous voulez faire peinturer, ça va coûter 500 $ pour ça. Donc, ici, c'est pratique, commune, que le travailleur va vous dire: «Bon, ça va coûter 500 $, mais il me faut 250 $.» Donc, ça, parce qu'eux autres, ça leur permet, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de liquidités, ils leur permet d'acheter, les équipements, les peintures, tout ce qu'il faut. Mais, exactement, comme Sophie dit, donnez jamais 100% du montant. Parce que tout à coup, ils peuvent devenir bien occupés, puis peut-être que la date prévue de lundi prochain, elle va être reportée à lundi après, le lundi après, puis le lundi après. Donc, vous pouvez avoir des petits problèmes, puis ça devient un peu désagréable. Et puis, je parle en connaissance de cause, Ça m'est arrivé, Donc, très, très bon conseil, Maintenant, ici, on a Claudine Privé qui nous dit: «Il sera souvent plus avantageux de payer en colonnaise et non en US.» Évidemment, un autre bon conseil de Claudine. Donc, si vous payez en colonnaise, ils vont vous redonner le change en colonnaise. Et puis, si vous payez en US, bien évidemment, faites certain que vous comprenez bien le taux de change, ou payez encore là avec votre carte de crédit.
Donc, un commentaire ici intéressant. Laisserais-tu ton portable sur le siège de ton auto sur la rue Saint-Denis, ton portefeuille sur le dashboard? C'est pareil partout sur la planète. Use your brain. Le Costa Rica est comme partout sur la planète. Un bon commentaire. Je me demande c'est qui ça. Mais en tout cas, peut-être que vous voulez nous réécrire ou donner votre nom. OK, on y va avec d'autres petits conseils. Ici, bon, retirer des guichets le jour, surveiller au sol, les centres urbains, les transactions. OK. Les travailleurs de rue. OK, souvent les gens vont poser des questions. Hey, Pépito, tu sais, les travailleurs de rue, tout ça, ils viennent nous voir, ils nous offrent des beaux paniers, de la belle poterie, des ci, des ça. Écoutez, les travailleurs de rue, est-ce qu'il faut leur faire confiance? Moi, je dirais que oui, généralement, vous pouvez leur faire confiance. Mais dans ça, comme dans d'autres disciplines, d'autres métiers du monde, bien, il y a des pommes pourrites, OK? Puis il y en a des pommes pourrites aussi au Costa Rica. Puis des fois, bien, à cause de la chaleur, ils pourrissent plus vite que d'autres, OK? Donc, mais il faut faire attention, OK, les travailleurs de rue, j'ai pas de problème avec les travailleurs de rue, mais sachez garder une proximité, OK? Toujours garder votre distance, soyez toujours vigilant de, OK, où sont vos sacs, où est votre caméra, où sont vos choses. Ils peuvent avoir des choses intéressantes à offrir. Moi, j'encourage les gens à encourager les travailleurs de rue. OK, c'est des gens qui ont besoin de, aussi de gagner leur vie, tout ça. Mais permettez pas, OK, une proximité physique. J'ai déjà entendu des histoires de gens qui étaient assis dans un restaurant et puis le travailleur de rue s'est accroupi pour montrer des produits à côté de la, à côté de la table, mais finalement, à la fin de l'exercice, la dame a eu une mauvaise surprise parce que son portefeuille y était parti. Donc, elle s'est fait piquer ça par un travailleur de rue. Donc, gardez cette distance-là. Soyez pas craintif. Commencez pas à détester les Costariciens, mais soyez toujours conscient de ce qui se passe. OK? OK, expérience vécue. OK, les amis, les précautions dans les bars. OK, dans les bars, puis ça s'applique à tout le monde. Ça s'applique aux hommes et ça s'applique aux femmes. Donc, moi, je suis allé rencontrer un copain une journée dans un bar, OK, pour prendre un verre. Et puis, ça n'a pas été très long, pas longtemps après mon arrivée, il est arrivé trois, quatre, cinq jolies, charmantes demoiselles qui voulait danser, qui voulait, OK, qui voulait fiester, j'invente un mot. Donc, très, 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 très charmante, très jolie, très amicable et tout ça. Et puis, mais, OK, de fil en aiguille, sans raconter tous les détails de l'histoire, OK, mon copain et moi, dans le fond, on s'est fait, OK, mettre quelque chose dans notre verre. OK, malgré le fait que je n'ai pas été là longtemps, j'ai pris un verre, peut-être deux. Mais suffisamment, dans le fond, pour vous affecter quand même physiquement assez sévèrement. OK? Donc, vous pouvez perdre quand même vos sens. Donc, tu sais, ça défait un peu l'ego. OK? Mais, OK, ces jolies, charmantes demoiselles-là, c'était pas le Pépito de 60 ans qui voulait avoir, c'était dans le fond ce qu'il avait dans ses poches puis ce qu'il pouvait lui piquer. OK? Donc, oui, le charme, ça peut exister au Costa Rica. La prostitution, elle existe au Costa Rica, c'est légal. Mais il y a aussi certaines personnes dans les bars, OK, qui vont tenter ces magouilles-là, OK, pour simplement pour vous endormir et donc que vous perdiez vos sens pour, dans le fond, vous voler ce que vous avez besoin. Donc, vous allez dans les bars, encore là, OK, la distance, la proximité, surveillez vos choses tout le temps, OK. Ça existe, c'est pas juste au Costa Rica, ce problème-là, c'est un peu partout à travers le monde, mais ça existe ici aussi, OK? Donc, c'est ça le message. En fait, puis je dis homme et femme parce que, en fait, bon, quelqu'un de la famille est venu ici en vacances, OK? Une femme est venue, OK, membre de la famille, et elle est allée, elle a rencontré des amis, elle s'est fait un cercle d'amis. Qu'elle a fréquenté pendant un nombre de jours ici, mais il y a quand même quelqu'un autour dans ce groupe-là qui l'a vu, dans le fond, comme une victime potentielle de vol. Et puis, elle y a mis de femme à femme dans son verre, OK, quelque chose pour justement. Donc, elle s'est retrouvée sur le dos. Malheureusement, elle était entourée de bons amis qui ont pu l'aider, qui ont pu l'assister avec ça. Pas pour vous faire peur, OK, mais pour vous rendre plus vigilant. Soyez prudent avec ça. OK? Retournons voir le petit tableau des questions.
Terry, même payé en colonnaise avec la carte de crédit, OK, c'est un meilleur taux d'échange, exactement. Et puis, bon, ici, il y a un échange entre Terry et Claudine, OK, définitivement. Bon, ben, c'est les gens se parlent dans le chat, c'est parfait, moi j'aime bien ça. Allons voir pour un autre petit conseil. On a fait les bars, OK, les locations d'auto. Bon, encore là, les locations d'auto, soyez toujours très vigilant par rapport au contrat que vous allez signer, de fine print, comme on dit. Les gens, même des fois, ils vont réserver des contrats pour de location d'auto en ligne. Le prix de 25 $ par jour au Costa Rica, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça parce que, bon, il peut y avoir des clauses. On va faire une émission à un moment donné juste sur la location d'auto. Donc, soyez prudents. Aussi, OK, on parle de sécurité, voyager en sécurité au Costa Rica. Maintenant, il y a un genre de petite nouvelle tendance au Costa Rica. Il y a des gens, OK, qui s'en viennent en vacances, puis ils cherchent des deals pour la location d'auto. Puis, il y a certains touristes ou certains expatriés qui sont ici. Puis, pour se faire quelques sous, OK, et des locaux aussi, vont louer, OK, des autos personnelles. Bon, là, encore là, je peux faire une émission sur ça aussi, OK. Si vous allez louer une auto, okay, d'un individu ou d'une personne, okay, vous pouvez avoir des problèmes parce que, comme consommateur, vous ne savez probablement pas tout ce qui doit être fait pour que cette auto-là soit légale et en règle pour circuler au Costa Rica. Je garde ça comme ça, okay? Les gens ne savent pas comment dépister ça. Donc, encore là, histoire vraie, okay, d'une amie. OK, qui a rencontré un ami, OK, local, et puis son ami local lui a dit, bon, tu t'en viens en vacances ici, on va louer le 4x4, le 4x4 de mon chum, puis il va te faire un bon prix, ça va être seulement 1 000 $ pour la semaine, OK. Elle a avancé le 1 000 $ au copain du copain pour faire environ 200 km et s'apercevoir que finalement le moteur de l'auto a sauté. OK? Et puis, dans le cadre du premier 24 heures du voyage, donc elle s'est retrouvée bredouille, 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 OK? Parce que personne n'est venu la dépanner, le chum, ça a créé son cas, le propriétaire de l'auto n'a pas voulu la compenser. Donc, ça lui a coûté, OK, 24 heures, dans le fond, pour, excusez le langage, mais une histoire de merde, OK? C'est en plein ça. OK? Donc, je ne dis pas que tout le monde est malhonnête, donc, mais moi, le conseil qu'on donne toujours aux gens, c'est faites affaire avec des institutions légales, professionnelles, reconnues, certifiées. OK? Même chose par rapport à la location d'auto, parce que s'il arrive quelque chose, exemple, OK? Puis vous louez une auto, puis l'auto n'est pas en règle, puis il y a une vérification. OK? Les plaques de cette auto-là vont être retirées. Donc, vous allez vous retrouver là, à pied. Et c'est comme ça que ça fonctionne au Costa Rica. Au Costa Rica, vous allez avoir une amende, OK? Les transitos, ce qu'on les appelle, le ministère du Transport, vont vous donner une amende. Donc, vous allez être responsable de cette amende-là. Et en plus de ça, c'est qu'ils vont retirer les plaques du véhicule en question et puis vous n'aurez pas de recours. OK? Donc, même si vos amis, c'est le voisin d'un voisin, d'un ami d'un voisin qui est bien beau, puis il est bien fin, puis il est bien fine. Vous pouvez avoir des problèmes si vous ne savez pas comment dépister ce genre de choses-là. OK? Voilà. Je ne vais pas faire des histoires d'horreur. OK? Mais c'est des réalités. OK? Donc, bon, on a ici qu'il faut faire attention lorsqu'on te redonne du change. J'ai eu de l'argent mexicain et nicaraguayen lors de deux voyages. Pas une grande perte, mais c'est assez fatigant. Ah, c'est intéressant, ça. Et oui, je l'ai déjà entendu. Je n'avais pas noté pour aujourd'hui, mais merci beaucoup, Terry. En fait, c'est un très, très bon point. Donc, vérifiez aussi votre change. Et puis, aussi, l'autre chose, je n'avais pas mis d'un bannière, mais comprenez la valeur de l'argent costaricienne. OK? Vous arrivez au Costa Rica, comprenez ce que ça vaut, les colonies. OK? Parce que, OK, si vous ne comprenez pas ce que ça vaut, c'est des colonies. Quelqu'un va arriver, puis il peut vous dire un prix, puis vous ne comprenez pas la valeur de l'argent, puis vous allez donner ça à la personne, puis après ça, vous allez réaliser que vous allez avoir payé 20 fois le prix de vos arranges. OK? C'est déjà arrivé. OK? Voilà.
Maintenant, ça va bien mes choses, OK? On a parlé des choses, on a parlé des beurres, on a parlé de l'allocation d'auto. OK. Ici, un petit peu. Je fais tout ça tout seul. Là, je vérifie les commentaires, je mets les bannières, je parle, j'essaie de. OK. Hey, achetez une carte SIM, OK? Important, OK? À moins que vous emmenez ici seulement quelques jours, mais OK, ce serait bon quand vous arrivez au Costa Rica d'avoir une carte SIM locale. Il y a différentes compagnies qui les font, puis il y a différentes choses. Puis là, je sais qu'il y a certaines compagnies, c'est un peu plus difficile de faire tout ça, mais je ne vais pas couvrir tout ça pendant le cadre de cette émission ici, mais faites des recherches, OK? Vérifiez dans Québécois aussi, au Costa Rica, il y a de la très, très bonne information, OK, que nos modératrices ont préparée sur ces sujets-là. Donc, équipez-vous avec une carte SIM, comme ça, de cette façon-là, si vous avez besoin d'appeler un taxi, appeler un ami, appeler n'importe quel, OK, appeler le 411, n'importe quoi, OK, vous allez avoir, OK, de l'assistance. OK, conseil très, très, très important. Gros bon sens, on va dire, mais c'est ça. OK? Puis là, il y a des gens qui vont dire, ah, ben là, il y a un autre commentaire qui vient de rentrer. OK? Carte SIM avec nos téléphones, OK, canadiens, exemple, iPhone, exact. OK? Et puis, bon, je ne sais pas si maintenant ça existe encore, mais à un moment donné, on disait aux gens, assurez-vous quand vous arrivez au Costa Rica que vos téléphones soient débloqués international. Mais, tu sais, des cartes SIM au Costa Rica, il y a différents types de programmes. Tu sais, la compagnie ici, la compagnie Colby, la compagnie Claro. Donc, il y a des boutiques un peu partout. Alors, allez voir les conseils de nos modératrices en Québécois au Costa Rica là-dessus. OK, vous allez avoir de la très bonne information. Et puis, je sais que ces informations-là sont revisées quand même assez souvent. OK. Les gens vont dire, Pépito, OK, femme seule, OK, est-ce que c'est sécuritaire de voyager au Costa Rica? La réponse, elle est oui. OK, c'est généralement très sécuritaire de voyager pour une femme seule au Costa Rica. Encore là, gros bon sens, soyez vigilante, OK, partout où vous allez, qui vous rencontrez, ce genre de contexte-là, tous les petits conseils qu'on vient de donner avant, donc rappelez-vous-les. Okay, tout le temps. Mais oui, OK, d'emblée, le Costa Rica, c'est un pays sécuritaire, malgré les petites histoires d'horreur qu'on vient de dire. Okay, un pays quand même sécuritaire, plus sécuritaire qu'ailleurs. Okay, mais soyez vigilant aussi, comme femme seule au pays. OK? Les voyages en famille, c'est la même chose. Évidemment, c'est la même réponse. Donc, ça, c'est souvent une question okay, que les gens vont poser. Donc, il y a certaines communautés, peut-être on pourrait dire. Exemple, quand on est arrivé au Costa Rica, nous autres, il y a 8-10 ans, souvent les gens parlaient de Jaco comme étant une ville un peu plus festive, avec un peu plus dur, un peu plus party, un peu plus prostitution, un peu plus toutes sortes de choses. Caroline et moi, on est retournés. Pour la première fois, probablement, depuis qu'on était au Costa Rica, il y a un an et demi. Puis on était quand même honnêtement agréablement surpris du changement de culture, du changement d'atmosphère qu'on a retrouvé à Jaco. Donc, ça ne veut pas dire le problème est complètement réglé, tout ça. Je pense que ça demeure une ville quand même festive ou tout ça. Mais on a comme vraiment eu le sentiment que ça s'était beaucoup amélioré sur ce plan-là. Donc, il faut donner à César ce qui lui revient. OK? Donc, oui, puis un peu partout à travers le Costa Rica, évidemment, en famille, vous allez bien vous sentir. Il n'y a pas de problème. OK? L'autre chose, c'est que, bon, si vous êtes interpellé pour soit des transactions ou des affaires ou des achats, ce genre de choses-là, OK? De grâce, vérifiez les références. OK? Surtout si vous êtes ici comme touriste, vous êtes ici 3, 4, 5, 6 mois, puis. Vous voulez faire, je ne sais pas, des travaux sur votre auto, ou vous voulez faire de la peinture dans votre condominium, ou vous voulez faire différents travaux quelconques, OK? Donc, parlez aux gens autour de vous, puis allez chercher plus qu'un point de vue par rapport à la crédibilité de certains individus. Donc, ça peut vous éviter bien des problèmes, OK? Le transport public au Costa Rica, est-ce qu'il est sécuritaire? On a un très bon système et un système quand même de transport public économique au Costa Rica. Donc, c'est pas toujours facile à dépister c'est quoi les trajets qui sont disponibles aux gens, mais le transport public, on a un bon système de transport public. Maintenant,
dans le transport public, le conseil à retenir, encore, c'est le même que tantôt, OK? Soyez toujours vigilant, soyez conscient de qui est autour de vous, de qu'est-ce que vous avez autour de vous. Essayez de garder un peu, protéger votre environnement, protégez votre bulle, OK? Protégez votre bulle, OK? Comme on dit. On retourne voir les petits commentaires, j'ai vu, parce que moi, quand j'ai une petite lumière rouge qui allume, c'est parce qu'il y a il y a des nouveaux commentaires qui sont rentrés. Avez-vous de l'information, OK, de référence sur Internet? Avez-vous de l'information, des références sur l'Internet? Je ne comprends pas exactement le sens de la question. Si vous voulez préciser, c'est le temps à la fin de l'émission, je vais essayer de revenir sur ce point-là. Mais encore là, si c'est à l'affaire avec la question des téléphones cellulaires, les cartes SIM, s'il vous plaît, allez voir l'information qui est publiée dans Québec au Costa Rica, ça va vous donner des pistes. OK, on a parlé des factures, on a parlé. OK, les aéroports, OK, ça c'est un point très important qui est nouveau, que probablement que. Puis là, on le dit à tout le monde, OK, puis là, il y a un engouement par rapport au Costa Rica comme c'est là, puis là, je pense que ça tombe dans la catégorie de sécurité. OK? Puis, on est en train de vivre un nouveau phénomène au Costa Rica qu'on n'a peut-être pas vraiment vécu, particulièrement au Guanacaste, puis sûrement qu'il y a comme une vague un peu plus intense même à San José. On commence à avoir à cause du volume, il y a plus de monde au Costa Rica, la population grossit, il y a plus d'expatriés, il y a plus de touristes, tout ça. OK? Donc là, on commence à avoir des heures de pointe, ce qu'on n'a jamais vécu. OK, vraiment, ici au Guanacaste, dans la région de l'aéroport de Liberia, tout ça. Mais là, maintenant, les amis, ça existe. OK? Puis, honnêtement, je pense que ça existe, puis je pense que c'est là pour rester. Puis, je pense que ça va devenir pire. Donc, typiquement, nous, quand on partait de Playa del Coco pour s'en aller à l'aéroport de Liberia, parce que c'est important d'arriver tôt, OK? On se donnait 3 heures. Maintenant, on commence à dire aux gens que 3 heures, maintenant, c'est plus tout à fait assez. Le problème avec le tronçon qui va Liberia vers finalement Comunidad, tout ça, OK, c'est que les amis, c'est qu'il y a, il y a qui mène vers l'aéroport de Liberia, il y a une route, OK? S'il arrive un accident, s'il arrive un accrochage, s'il y a un troupeau de vaches dans le chemin, OK, c'est arrêté. Puis quand ça arrête, des fois, ça arrête pour longtemps. Donc, si vous ne vous donnez pas la marge de temps pour aller à l'aéroport, OK, vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Parce que vous n'aurez pas de façon de vous rendre. Okay? Donc, donnez-vous du temps supplémentaire, amenez-vous un bon livre, partez une demi-heure, partez 1 heure avant s'il faut, de grâce. Okay? Mais pour vous assurer d'arriver à temps. Donc, je mets ça dans les conseils pratiques, ce n'est pas nécessairement sécuritaire, puis c'est sécuritaire en même temps, mais donnez-vous du temps. Okay? Et puis, un peu de patience parce que c'est un peu nouveau, surtout là, dans la région du Guanacaste, autour de Liberia, ce genre de choses-là, d'avoir des filets de trafic. C'est nouveau, mais on le voit ça fréquemment. Avec Costour, on a des véhicules sur les routes tous les jours. Puis on est témoin de différentes situations qui sont arrivées dernièrement. Donc, de grâce, OK, donnez-vous du temps et aussi de la patience. OK? Donc, c'est pas mal ça les points. En fait, j'en ai passé plus que 10. Je vois qu'il y a Claudine qui a un autre conseil pour les véhicules en stationnement. Être certain d'être dans une zone permise et choisir un endroit surveillé et payant. Très, 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 très bon conseil. J'ai aussi sur ce point-là, parce que les gens vont parler des fois, ils vont me poser les questions par rapport à je l'ai pas, OK, parce que j'ai fait un changement dans ma patente. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que, OK, c'est les gardiens de stationnement, OK? Bon, on les appelle des watchmen, OK? Au Costa Rica, on dit watchmen. Watchmen, dans le fond, ça vient de watchmen, OK? C'est des watchmen d'auto. Donc, les gens disent, est-ce qu'ils sont sécuritaires? C'est un peu comme les vendeurs de rue, OK? Généralement, les watchmen, OK? Sont sécuritaires, ils ont du bon vouloir, ils sont là pour, OK, surveiller, protéger votre auto. OK, en échange, évidemment, pour quelques propinas, ils font ça bénévolement, ils passent leur journée à surveiller des autos. OK? Donc, je pense que oui, il faut leur faire confiance. Maintenant, il y a des pommes pourrites, OK? Mais généralement, ils vont vous rendre service, ils peuvent vous aider à sortir d'un stationnement qui peut être serré, ce genre de choses-là. Dans Mag 506, OK, on a fait un texte sur ça, c'est ça que je voulais vous montrer tantôt. Si vous ne connaissez pas Mag 506,
Okay, c'est le magazine francophone, okay, pour les francophones amoureux du Costa Rica, par et pour les francophones amoureux du Costa Rica. Mag, okay, c'est pour magazine 506. Les gens disent, pourquoi 506? Pourquoi pas 738? Okay, c'est parce que 506, c'est le code indicatif régional téléphonique du Costa Rica. Donc, ça veut dire magazinecostarica.com, punta.com. Allez trouver plein d'articles là-dessus sur différents sujets. OK, donc c'est pas juste Pépito qui écrit là-dedans. Il y a plein de monde qui partage des points de vue, des expériences, tout ça. Si vous ne connaissez pas le magazine, allez voir ça. Mag506.com. OK? Donc, OK, puis ici, il y a quelqu'un qui dit, est-ce enregistré? Est-ce qu'on pourra réécouter? OK, j'ai manqué une partie. Absolument. Écoutez, nos émissions sont diffusées à travers différentes plateformes de réseaux sociaux, à travers Facebook, mais principalement à partir de YouTube. Donc, abonnez-vous, OK, à Pépito Live sur YouTube. Et puis, à travers le module de YouTube, vous allez pouvoir retrouver cette émission ici et toutes les 200 autres émissions que Pépito a produites depuis 2 ans. OK? Donc, sur plein de sujets par rapport au Costa Rica. Donc, oui, vous pouvez revoir l'émission. Et puis, là, c'est pas mal ça. Mon dernier point, j'avais dit que j'étais pour garder comme mon point préféré pour la fin. Parce que beaucoup de ces points-là, que ce soit être en affaires, que ce soit rencontrer des gens dans des événements sociaux, tout ça, les Costariciens, OK, ce sont des charmeurs. OK, et les Costariciens, évidemment, aiment aussi être charmés. Ben, moi, c'est ce que j'aime des Costariciens, c'est leur personnalité, c'est leur joie de vivre, c'est tout ça. OK? Donc, tout ça pour dire que quand on parle de redoubler d'attention, de vigilance, ce genre de choses-là, c'est que c'est facile aussi se laisser charmer. OK? Il est bien fin. OK? Il est bien beau. Il est bien fine. Il est bien belle. OK? Ah, il était tellement fin. OK? Ce sont des charmeurs. Donc, par cette approche-là de charme, OK? Parce qu'il y a des pommes pourries, OK? Même dans les charmeurs. Donc, c'est facile de se faire avoir un petit peu, OK? Parce qu'ils sont bien fins, puis ils sont bien beaux. Mais apprenez toujours à travers tout ça à vous protéger. Donc, souvent, les Costariciens, de mon expérience à moi, ils savent un peu comment on pense, puis ils savent un peu ce qui nous drive aussi. Okay? C'est quand même intelligent. Puis souvent, les Costariciens vont nous dire ce qu'on veut entendre. Okay? Et puis, et non pas, okay, des fois, l'état exact de la situation. Par bon, exemple, vous apportez votre voiture chez un mécanicien, okay, puis vous aimeriez bien ça l'avoir pour jeudi, on est mardi. Il y a des bonnes chances qu'il va vous dire qu'elle va être prête pour jeudi. Plutôt que de vous dire, je m'excuse, mais je suis débordé, puis ça va aller dans 2 jeudis. OK? Donc, OK, c'est des charmeurs, ils aiment à faire plaisir, c'est pas toujours méchant. Parfois, oui, ça peut l'être aussi, mais soyez toujours conscient de ça, payez toujours ça dans votre tête. OK? Maintenant, je ne vous dis pas de ne pas aimer les Costariciens. Moi, je les adore. Okay? C'est un peuple absolument merveilleux. Mais sous le charme, sous l'esprit des vacances et tout ça, c'est plus facile un peu se faire avoir. Je pense que ça fait pas mal le tour de la situation par rapport aux différents points que je voulais partager. C'est basé sur. Ce n'est pas la vérité absolue. Il y en a d'autres. Il y a des points que j'ai oubliés. Vous pouvez être d'accord, pas d'accord, tout ça. Mais c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Parce que là, la saison touristique a bat son plein. N'oubliez pas, le 10 février prochain, joignez-vous à nous pour les festivités de Costa. Je vois qu'il y a la petite lumière rouge vient d'allumer, OK? Sur le trimaran à partir de Playa del Coco le 10 février. Venez nous voir, venez passer du temps avec nous, venez faire la fête sur le trimaran, OK? Pour aider Pépito Live et encourager la création de son contenu, OK? Likez, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Éric Sinotte, bravo! Applauso para ti, amigo! OK? Quel bon conseil, OK? Donc, et voilà, maintenant je m'en vais chercher mon petit vidéo de fermeture. OK? Hasta luego, amigos. Merci d'avoir regardé. Ciao.